Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Andréane Morin et je vous fais une toute petite capsule pour justement me présenter. Je suis la responsable du blog sur Facebook qui se nomme Andréane Morin, créatrice de Petit Bonheur. En fait, je suis coach en santé bien-être, ambassadrice de la compagnie de Beachbody depuis bientôt 2 ans, donc en octobre, ça fera 2 ans. Je suis donc coach One Star Diamond et je suis l'heureuse, la chanceuse mentor de l'équipe Happiness Creator, une équipe de coachs qui sont aussi motivés et dévoués que moi pour changer la vie des gens qu'ils veulent bien, en fait, pour changer la vie de ceux qui en ont assez d'être en surpoids, qui en ont assez d'être en manque d'énergie, qui en ont assez de ne pas se sentir bien dans leur corps, qui veulent changer les choses, qui veulent faire quelque chose pour faire avancer leur vie dans le sens du positif. Donc, ensemble, on est vraiment soudés pour aider ces gens-là qui veulent prendre action, qui veulent changer leur vie pour le mieux. Si pour moi, c'est important de justement aider les gens à changer leur vie pour le mieux, c'est parce que j'ai moi-même fait ce mouvement-là il y a de cela bientôt 3 ans. En fait, en décembre 2013, j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'ai réalisé que j'étais une personne vraiment pas active, je mangeais pas bien du tout, je vous dirais que j'étais dépendante affective, je me sentais pas bien dans mon corps. En regardant mon IMC, je pouvais constater que j'étais de la classe obésité. Donc, j'ai dit « stop, je prends du temps pour prendre soin de moi ». Je change ma vie pour le mieux. J'arrête d'être négative et je trouve le positif quelque part. Donc, la fille patate de sofa que j'étais, qui pesait 213 livres à ce moment-là, a décidé de commencer à s'entraîner. Et quand je dis patate de sofa, j'étais vraiment patate de sofa. Je détestais tout ce qui s'appelait activité physique. Mais vraiment, je détestais ça pour mourir. Et c'est ça. Donc, j'ai décidé de m'entraîner à la maison. J'ai commencé à m'entraîner, à changer un petit peu mon alimentation avec ce qu'on entend ici et là, manger moins de féculents, manger plus de légumes. Donc, j'ai changé ça, j'ai fait des apprentissages au cours de mon processus personnel. Puis, à un moment donné, j'ai complètement perdu ma motivation. En fait, j'avais perdu 50 livres et j'étais complètement démotivée. Je ne m'entraînais plus. Je mangeais correct, mais pas plus. Vraiment, je cherchais quelque chose pour me motiver et c'est là que j'ai décidé de devenir coach. Et à partir de ce moment-là, je vous dirais que j'ai réussi à garder ma motivation vraiment, à continuer à m'entraîner, à me permettre des triches de temps en temps, bien évidemment, mais à quand même garder ce que j'appelle un style de vie actif. Et c'est là-dessus qu'on mise, mon équipe et moi. On ne veut pas mettre personne au régime, on ne veut pas mettre personne dans le surentraînement. On veut un style de vie sain et actif. Donc, grosso modo, depuis le début de ma perte de poids, j'ai perdu 95 livres, j'en suis fière. Et je suis plutôt rendu dans un processus de raffermissement de mon corps parce qu'évidemment, aujourd'hui, 3 ans presque plus tard, il faut que j'apprenne à vivre avec mon nouveau corps qui n'est pas nécessairement ce que j'aimerais qu'il soit, qui n'est pas ferme et tout ça. Donc, je travaille encore là-dessus, je reste positive justement par rapport à tout ça parce que je sais que c'est possible, je sais qu'il n'existe pas de pilule miracle, je n'ai pas de formule magique pour personne. On prône la saine alimentation, l'équilibre alimentaire aussi, de ne pas se sentir coupable quand on triche parce qu'on en a besoin d'une triche de temps en temps et c'est bien correct. Je prône l'activité physique en respectant notre corps, évidemment. Le bon dodo et bref, tout ce qui est sain pour vous au quotidien, l'hydratation, tout ça. Donc, pas de régime, mais un style de vie qui est sain. Donc, voilà ce qui est pour moi.
C'est ce que je suis, moi, dans la vie. Évidemment, c'est mon aspect coach, mais je suis aussi enseignante, éducatrice à l'enfance. Je suis une conjointe, une amie, une sœur. Donc, je suis beaucoup plus qu'une coach, mais grosso modo, ce que j'essaie de faire avec mon entreprise de Beachbody, c'est vraiment de partager cette nouvelle passion-là de fille qui est passée de patate de sofa, détestant carrément l'entraînement, détestant tout ce qui était physique, à une passionnée de fitness. Ben oui, ça se peut. Donc, c'est ça, je veux partager ça avec les gens. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour le guide. Donc, j'espère que vous allez apprécier le travail qu'on a mis derrière ce guide-là pour vous aider à passer à travers la routine qui recommence, le retour de vacances, parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on l'a échappé pendant les vacances. Ça arrive, c'est correct. Donc, de se remettre dans la routine comme il faut, sans trop de stress. J'espère que le guide va vous aider dans ce sens. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous m'écoutez en soirée. Sinon, j'espère qu'on aura la chance de jaser ensemble, de se contacter. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Bye, la gang!